l'objectif de parcours de formation de formateurs d'entraîneurs de la FIFA FAF, c'est d'aider la fédération à développer ses propres formateurs. Nous avons quatre phases dans les programmes. La première phase, c'est une phase asynchrone où les formateurs accèdent à la plateforme Training Center. Deuxième phase, on se connecte en ligne pour discuter toutes les théories que nous avons vues. Et aujourd'hui, nous sommes dans la troisième phase où on fait vraiment l'application de tous les conseils que nous avons vus. La dernière phase, c'est le mentorat qui va passer après dans chaque formation de la fédération. Et aujourd'hui, vraiment, c'est une collaboration entre la FIFA et la fédération pour développer des compétences et qualifier les formateurs. Nous avons discuté avec la CAF la possibilité d'avoir une reconnaissance de toutes celles-là, des compétences des collègues, mais ça, ce n'est pas encore formalisé. Ah, c'est très intéressant. Nous avons fait de manière générale dans chaque région, mais pour les fédérations qui sont plus développées, comme la fédération algérienne, nous avons fait des formations spécifiques. Par exemple, au Sénégal, au Maroc, en Afrique du Sud, nous avons fait des formations spécifiques pour la fédération. En Algérie, exactement, parce que nous avons identifié qu'il y a vraiment un besoin de développer un nombre plus grand de formateurs pour fournir toutes les formations que la fédération a planifiées. C'est un stage, c'est un parcours de formation de formateurs d'entraîneurs pour la FAF. C'est un parcours de la FIFA qui a 4 modules et 180 heures, dans deux modules en ligne et un module présentiel, on est en train de le faire. Mais aussi, il y aura un module de mentorat, c'est-à-dire les 18 instructeurs qui sont dans ce stage, ils sont appelés à diriger des modules de la CAF, des licences de la CAF, C, B, A, et on va avoir le planning de la FAF, de la direction technique, pour venir et faire le mentoring avec eux. Et après, ils auront droit à un diplôme FIFA pour formateur d'entraîneurs de la FAF. Ils seront aussi reconnus par la CAF. Ils peuvent diriger à ce moment-là les stages de formation des licences de la CAF. Et ça, toujours selon les recommandations de la FAF. S'il y a des instructeurs qui ne sont pas actifs et qui ne participent pas au mentoring, ils n'auront pas ce diplôme. Toujours, c'est la fédération qui maîtrise les décisions pour ces instructeurs, bien sûr. Oui.